la... La technique du saut marche toujours pour aller plus vite. Je fais une roulade quand je tombe, mais je ne crois pas que j'ai acheté la compétence pour réduire les dégâts de chute. Donc ça me sert à rien. L'habitude. Faudra qu'on la prenne, celle-là aussi. Y a pas des... Ah non, y a pas de minéraux. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ah, le deuxième avec le niveau avec l'eau, tu jouais avec le niveau. Ah, il y avait ça. Oui, oui, ça c'était... Ben, je crois que c'était la mission de Baba Yaga, non? La sorcière. Ah ouais, maintenant par contre on va devoir remonter. Là. Tada! Sommes de retour à la surface. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je peux bien manger. J'ai pas assez de place pour ça. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Lara. La braconnière. Faut qu'on aille rester au feu. Là-bas. Enfin, je crois. Oui. Non. Ouais. Tada. On est bon. On a fait notre petite aventure. Ça s'est bien passé. Notre petit truc... C'est très très bien passé. On a un coffre au trésor là-bas. Oh, je sais pas comment on y va. On a combien de flèches? 15, ça va. Maintenant, histoire. Histoire. Pas du tout. Jonah, j'ai trouvé des ruines Inca, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. J'arrive tout de suite, Lara. Déjà vu. Hey, ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Jonah, regarde. Ishel et Shakshel, les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est? Lara! Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original.
Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Lara se fout complètement des gens. C'est très très étrange. Elle a un objectif en tête, et c'est seulement ça qui est important pour elle. C'est un peu étrange. Les jumelles, la vie et la mort. Jonah, j'ai trouvé un temple. Oh wow, vache. Super. C'est pas vrai. Les Trinitaires sont déjà là, ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Mais c'est qui ces cons quand même, franchement? Arrêtez de faire tout péter! Prenez des outils! Marteau piqueur et tout ça, ça passe! On peut faire le saut de l'ange! Oh, ça tue! On peut vraiment faire le saut de l'ange comme dans les anciens jeux. Ah, bah là je suis content quand même. Fallait bien qu'il rajoute. C'était dans les anciens. Pourquoi pas le nouveau? Récolter 5 plantes aquatiques. C'est un quoi? C'est un défi ça? Fait pour entendre. Pas grave. Allez, go. Ces drones étaient super lourds, bizarrement. Et coupants, mais le bateau a l'air ok. Content de vous voir. On a un problème. Le générateur encore? Je vais voir. Waouh. Il voudrait qu'on aille fouiller sous l'eau. Il veut qu'on aille fouiller partout. C'est reparti. Apparemment, on vient tout juste de lancer des drones sous-marins. Le commandant va nous remettre sur la bonne voie. On dirait Solid Snake. Je vous recontacte s'il trouve quelque chose. Terminé. Assassin's Creed Tomb Raider, je sais pas. Jamais fait. Il regarde où celui-là en face? C'est rapide. Il y a un mec en face, un troisième là, tout au fond. Je sais pas où il regarde. Il regarde vers nous, non? Il regarde vers c'est nous. Pas ce que j'appelle un combat. Le commandant va nous remettre sur la bonne voie. J'ai une idée.
trucs déjà à récupérer. On va peut-être se faire voir là par contre. Hein. Enfin, théoriquement, pour moi, on se ferait voir. Comment je suis censé savoir ? On n'a pas réussi à. On a de la compagnie ! On va se déplacer ! Eh merde ! Est-ce qu'on peut les attaquer pendant qu'ils sont en... Est-ce qu'ils vont nous voir dans l'eau ou pas ? Ok, oh, j'aime bien, là c'est plutôt drôle. J'arrive pas à les voir par contre. Attends, j'ai un... C'est stylé quand même là, non? Ouais, merde. Et il aime bien. Par contre, j'ai le prompteur qui s'affiche en fait quand je suis en dessous, des fois c'est bizarre. Mec, ils deviennent fous. Non, le silencieux, il est sur l'autre arme. Il est pas sur mon pistolet, là. Bon, lui, tire plein de grenades. Dernière position. Il y a pas de mauvaise stat, hein, dans le jeu. C'est juste de l'expérience, en fait. Si on fait des kills furtifs, ça donne un peu plus d'expérience, je crois. C'est tout. Il est où le mec ? Ah, tu marches vite, toi. Lara monte. Va m'énerver encore plus si tu m'obliges à te faire plus partout. Je veux l'attraper. Voilà. On peut se soigner dans l'eau. Non. Y a un truc un peu étrange, c'est que quand il n'y a plus de combat, elle se soigne automatiquement. Apparemment, elle revient full vie. C'est sympa, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. Quoi. Par contre, juste une seconde, c'est par rapport au joystick. Contrôle de la manivelle, tourner, stick, j'ai de reviser de l'intuition, répéter du stick.
Pour maintenir le stick animé pour une direction, au lieu de devoir utiliser un intrépide. Ok. C'est pas mal ça, c'est mieux. Je vois pas pourquoi elle est toujours en position de combat, il n'y a plus personne. Enfin, pour l'instant. Attendez, c'est peut-être un peu trop. Désolé pour ça, j'aime pas faire ça en plein jeu. Mais... Y'a quelqu'un? Vous voyez des gens? Lara, est-ce que ça va? Oui, y'a une base des Trinitaires ici. Je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, Lara. Surtout, reste prudente. Mais c'est qui ta copine? Cette connasse, elle a cassé mon temple. Tu as perdu toutes tes chances de sortir avec moi. Augmente la chance de récupérer des flèches. Faut un ennemi, les animaux. Ça, on va le prendre. Ça, on va le prendre. Mais il faut prendre une compétence adjacente. Mais compétence adjacente, est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il faut prendre la bleue? Ah ah. Question. Est-ce que vert, ça va marcher avec bleu ou il faut bleu-bleu? Ajouter un emplacement pour fusée éclairante à tous les pistolets. Les fusées éclairantes mettront le feu aux ennemis sans protection et aveuglent les ennemis proches. Quelques secondes. Ça, on va peut-être le prendre au final. Pas mal. Fabriquer des pièges avec APA sur les corps ennemis, attirer les ennemis proches, déclenche une explosion à fragmentation létale. C'est pas... J'aimais bien ça aussi. Augmente votre apnée en nageant sous l'eau. Ouais, non, on va prendre ça. On va prendre ça. Parce que je fais pas trop confiance à l'eau. Je pense qu'on va avoir des bons niveaux bien longs avec de l'eau. Rapport officiel Trinitaire. La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir cachée au Trinitaire serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Elle est très très obsessionnelle. Hein. Gros problème. Comment elle se met de la boue? Par contre, on a l'habilité, mais comment ça se passe? Elle le fait automatiquement ou pas? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Tu sais pourquoi on verrouille tout comme ça? Parce que le commandant Rourke veut qu'on boucle le périmètre. Personne entre, personne sort. J'avais compris, du con. Je te demande pourquoi. C'est trop compliqué pour moi. Chaque fois que je pose une question, j'ai la réponse, c'est bien. Maintenir sur la race en dire debout. La boue rend plus difficile à repérer les ennemis, particulièrement si c'est assez difficile. Sexy. Rapport Trinitaire, c'est un site de fouille. Rapport sur les activités à la. Le site a été englouti à découvrir un cours d'une rivière. Site avons éliminé fouilles. La main d'œuvre. Rivière Marazuni. Avons fait disparaître toute trace. Soulèvement d'un village voisin. Solution radicale nécessaire. Zone isolée. Site englouti. Avons prolongé les tests. Ok, ça marche. Parce qu'elle lit tellement lentement. Horrible. C'est parti. Ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone. Mode Predator. C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef, qu'est-ce qui se passe? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé.
Qui d'autre a disparu? Ils sont descendus à combien? Je me demande s'il va le voir. Où tu vas? On a que deux? Je pense. Quelqu'un sait ce qui s'est passé? Ah, de parler seul. Est-ce qu'on a la moindre idée de ce qui a pu se passer au moment où on a perdu le contact? Je comprends pas ce qui a pu se passer. Si elle voulait s'accrocher sur le mur. J'aimerais bien que les éclaireurs arrivent. Ils sont descendus et jamais remontés ? On devrait pas envoyer quelqu'un à leur recherche? Rourke a été clair. Pas de recherche tant que les éclaireurs seront pas là. Mais ça fait presque une heure qu'on a plus de nouvelles. Le commandant abandonnera pas ses hommes. S'il veut qu'on attende en haut, c'est qu'il a une bonne raison. Il y a deux mecs. Attendez. Normalement, je peux les tuer les deux en même temps, on est d'accord. Parler à Marco. Je vais pas parler à Marco. On a pris la compétence de tuer deux mecs à la fois quand ils sont côte à côte. Donc on pourrait aller sur eux directement, je crois. Qu'est-ce qui se passe, putain? Je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. J'aimerais bien que les éclaireurs arrivent. C'est censé être un camouflage? Le périmètre est verrouillé. On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. C'était pas très très joli, je trouve, hein. Ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temple. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. C'était pas très beau. Bon, il y a l'icône pour dire qu'elle va tuer l'autre en fait, mais le mec, il était en joue constamment pendant que son pote, il était en train de se faire poignarder. Il devrait envoyer des icônes avec les éclaireurs. Enfin bref. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai vraiment horreur de cet endroit. On dirait une ville fantôme. C'est n'importe quoi. Quelqu'un se fout de notre gueule. Et on a peut-être déjà perdu des hommes à cause de ça. Du calme. Si on avait besoin de savoir un truc, quelqu'un nous l'aurait dit. Et puis Rourke nous mentirait jamais. C'est vrai. Mais c'est pas lui qui commande. C'est Dominguez, et c'est un putain de sournois qui se prend pour un dieu. Je lui fais pas totalement confiance non plus. Mais même si je l'ai vu poignarder des gens du coin dans le dos... Il nous a jamais trahis. On a un problème. Tu crois qu'il s'est passé quoi ici? On sécurise la zone. Quelqu'un a l'air d'avoir cru à une attaque. Par quoi? Y a rien du tout là-dedans. C'est faudrait bien le sûr tuer, ça. Lui. On cherchait quelque chose. Ils l'ont peut-être trouvé, mais c'était pas ce qu'on pensait. Laissez faire les éclaireurs. Il est où l'autre? Putain, je le vois pas lui. Il est là.
Putain de merde. Voilà, voilà, voilà. Ok, son. Et où l'autre? Putain, à chaque fois. On va laisser faire les éclaireurs. Ok. Ils sont face à face, on est d'accord. On va se mettre dans les fougères, on va l'attraper. Putain de merde. Putain de merde. On a laissé faire les éclaireurs. C'était des types bien. Non, ce sont des types bien. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, genre on élimine quelqu'un, on a... Comment dire ? Un effondrement. Les NPC, en fait, les ennemis font quelque chose en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre il y a une... un enchaînement de situations. Je deviens complètement dingue. Putain de merde. Je sais pas trop comment. J'ai vraiment horreur. On perd du monde. Ouais, ça tue. Pas mal le gaz. Jonah, le commandant Rourke est ici au Pérou. Il a demandé aux Trinitaires de surveiller un site de fouille sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil ? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. J'aime bien le gaz. Le gaz est cool. Le gaz est plutôt sympa pour les moments comme ça où il y a plusieurs personnes. C'est par là-bas. On va faire le tour vite fait. Oh. Power. Ah, c'est ça. Et là, il y a quoi là du coup? Ah non, on peut pas y aller. J'ai rien dit. On avait des bouteilles, on aurait pu faire aussi ça, on peut pas le prendre. Par contre, j'ai vu des bouteilles, on aurait pu les alerter comme ça. Mais au moins, on a vu comment ça se marchait, le gaz. La voie des vivants, examiner le puits de pétrole. Y a pas un feu de camp pas loin? On descend. Toc toc. Sur le site de fouille des Trinitaires. Là, cette partie devient plus intéressante que hier, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est une vraie boucherie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Sombre. Jonah, je suis à l'intérieur du temple.
crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Pas moyen d'ouvrir la porte. Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Ischel sur la gauche, Shakshel sur la droite. Shakshel sur la droite. Bon, bon ben voilà, ça c'est fait. D'accord, c'était pas très dur pour le moment.